une forme que j'avais construite effectivement en hommage à Marcel Duchamp, c'est-à-dire un escalier et la fenêtre dans un angle. Puis la femme d'un copain passe devant, je vois son ombre se détacher sur le fond. Arrête-toi, je vais laisser la trace de ton passage. J'ai vite détouré, elle est partie, et sa présence est restée là. Et donc ensuite, je l'ai peinte d'un aplat rouge. Je l'appelle tout de suite première ombre au tableau. L'ombre reste. L'origine même de la peinture. La cigogne reste. C'est l'un des motifs qui a une très longue durée de vie, puisqu'il apparaît en 1964 et il est toujours actif aujourd'hui. En fait, c'est une silhouette intéressée. Je vais être intéressé. À la fois, elle est une figure reconnaissable, comme une ombre, et en même temps, c'est une vision, elle me permet d'avoir une vision abstraite des figures. Et le boulevard italien, c'est une série qui n'a plus rien à voir avec une bulle sociale. C'est quelque chose que tout le monde voit. Quelque chose de totalement banal. Et la banalité est énorme. Dedans, il y a une foule unifiée au milieu de toutes les couleurs du monde. C'est le rouge qui unifie tous les personnages, tous les passants. Jacques Prévert se servira de cette couleur pour m'identifier, parlant de rouge prolongé comme un prénom. Je vais faire entrer cette ligne qui n'est rien dans un visage qui est celui de mon modèle en passant de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Je rentre dans ce visage, je dérive dedans par la lumière et j'en ressors comme j'y étais rentré, dans le, on dit en italien, dans le nullo. C'est un dessin qui se cherche, qui se fait en se cherchant. Ça finit par s'entrecroiser ces dérives successives de couleurs différentes pour faire un réseau de lignes qui crée visage et qui disparaît dans le rien. J'ai commencé par un bas. C'est le plus réussi parce que c'est celui qui n'existait pas. Il n'y en a aucun avant celui-là. Et l'ensemble a fait, par amour, quelque chose de cool, voilà. Alors, soit cool tranquille, soit cool qui coule.